Bon, tout sinon, alors, pour une petite vidéo Minecraft sur le système de Redstone. Le système est un peu basé sur moi, en même temps basé sur un ancien item qui est, que j'ai vu par Kailash. Mais je sais que Minecraft GF aussi avait fait un modèle. Mais moi, il est un peu différent. Puis, mais plutôt lui de Kailash, il était un peu plus différent que Minecraft GF. Et j'avais décidé de prendre lui de Kailash. Et j'ai fait que... ça nous avertit quand nos coffres sont pleins pour pas envoyer des matériels puis que ça rentre pas dans les hoopers puis ça disparaisse parce que celle-là c'est basé par des hoopers. Les hoopers ils ont 5 cases, ils ont 5 items différents, mais si le coffre il est plein puis c'est pas des items de ces affaires-là, je vais vous montrer tantôt. Comme imaginons quand je lance ça et ça. Hop, la sandstone n'en va être pas. Mais bon, là il y a beaucoup beaucoup d'items différents. Donc, on envoie ça à la base. Tout ça monte. Et ici, rien va clignoter. À part peut-être le coffre 1. On va voir ça. Ah voilà, là c'est le 3 et le 1 qui clignotent. Parce que le 3 puis le 1, ils sont... le 3, on prend tout de suite le courant. Comme c'est ça que ça va tout le temps clignoter. T'as des items. Le 2, non, parce que regardez, le courant est tellement faible qui va jamais clignoter. Puis ici, c'est parce qu'il est plus fort. Puis qui clignote. Aucune idée pourquoi c'est plus fort que l'autre. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'items là-dedans. Puis ici, c'est juste un item à la fois qui est là. Tous les autres items se font descendre. Comme le courant n'est pas assez fort. Là ici, regardez. Le courant s'est descendu. Comme en bas, ça envoie plus de signal. Mais ici, ça va toujours, toujours m'envoyer quand les items vont descendre. Parce que on a pris la sortie par les répétants. On n'a pas pris la sortie par ici. Si on aurait pris la sortie ici, on aurait dû faire ça de même. Et même à ça, ça ne serait jamais rendu cet état-là. Comme ça aurait été une perte de faire. Et c'est vraiment ici là, un peu les transformations plus importantes. Mais disons que nos coffres sont vraiment pleins. Comme ça dit. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et je vais prendre des pistons collants pour l'autre coffre en haut. Comme ça. Hop, c'est vrai, il va juste être arrangé. Oh fuck! Ferme. Là, ça va dire que le coffre 1, il est plein. Parce que les items vont se stacker dedans, il va se stacker dedans, puis il va se stacker dedans, puis... Excusez, désolé, plutôt. Ils vont... ils vont s'encasser, puis ça va clignoter. Et en bas aussi, ça va dire, ok, attention. Oups. Ça va dire, ok, attention. Premier coffre, il est plein. Ça veut dire que le coffre 1, il est plein, comme ça veut dire qu'il reste juste deux coffres de stockage. Mais vous pouvez le faire à l'infini, puis différemment aussi. Vous pouvez faire un dallage à place que ce soit un long de tous les deux de même. Mettre un ou pas ici, un ou pas ici, un ou pas, puis mettre des coffres comme ça. Un coffre de restant, un coffre ici. Mais là, si on fait ça comme ça, le système de clignotage va être... va être vraiment, lui, va être 1 sur 2 à peu près, parce que la boucle est ici, la boucle elle prendrait 5 de place. Donc maintenant, lors des explications, même si j'ai un peu expliqué, vous savez un peu comment le construire, je vais vous le montrer aussi à le construire. Comme, comment ça marche, pourquoi ça fait une boucle? On va prendre les dents pour la boucle elle tourne déjà, ici. Comme le hopper, il est plein. Mais il est à moitié plein, plutôt. Le comparateur, ici, envoie un signal de redstone. Dans cette redstone, mais minuscule. Juste un courant, juste assez pour mettre un affaire de fil. Pour les monter un affaire de fil, ça sort jamais un autre pour aller les monter ici, ça va plus rien marcher. Et après, c'est fait comme une sorte de boucle. Normal.
Juste que, avant de mettre un autre redstone là, j'ai mis un comparateur. Très simple, je l'ai mis au quatrième tick pour pas que ça light trop. Parce que quand si les coffres sont tout pleins, c'est trois boucles en même temps. Après, je l'ai relié au long. Et aussi, après, il y a un ascenseur de torse qui descend, puis qui descend, qui descend, puis qui descend, puis qui descend. Et qui va ici. Là, j'ai cassé plus de la redstone, mais parce que si j'avais mis une autre torse ici, cette lampe-là serait tout le temps allumée. Puis ça m'aurait dérangé. Il y en a une qui n'arrêtait pas allumée et une autre aurait été allumée. Et ça n'arrêtait pas très très bon. Comme ici, ça clignote. Comme c'est la même affaire sur les trois ici. Maintenant, passons au... à l'ascenseur item. Un peu le système de base de mon système. Comme le bouton il est ici. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi. Moi, je l'ai fait un modèle un peu pour faire ça. Mais tout ce système-là, là, si on le coupe, là... il n'est pas important ce système là, c'est surtout un système pour envoyer en bas la donnée pour dire que ah, ça sert à rien que tu lances tes systèmes vont être dépopés. À part si vous voulez que vos systèmes soient dépopés parce que les systèmes vont arriver ici, comme que le hooper là va être plein, puis le coffre en dessous va être plein. Ça va quand même. Ouais, moi je vous dirais quand même que 3 coffres c'est déjà quand même pas mal pour un stockage pour un mine, puis après vous les placez. Mais vous pouvez faire comme que vous voulez, comme je vous dis, il y a plein d'autres solutions. Comme je vais passer vraiment, je vais arrêter de baboter, puis je vais passer au système de d'escavalator, si on veut dire ça. On va juste prendre les matériaux qui peuvent me vouloir. On a des petits encas là, des repeaters. Des repeaters, la redstone. Puis aussi des pistons collants. Est-ce que j'ai pas besoin de ça non plus? Du verre. Voilà. Je vais vous montrer comment le construire, puis je vais vous expliquer en même temps. Comme, on va mettre 3 pistons. Donc là, ici, on va mettre de la sandstone ou votre bloc de matériel. Et vous mettez un autre bloc ici, et vous pouvez cacher ça. Ici, vous mettez... là, moi, je fais ça même sur ce piston-là. Et vous mettez des sandstones. Pour eux qui ont vu mon guide pour débuter un peu sur un redstone. Mais plutôt comprendre la redstone, vous saurez que les pistons non collants poussent mais ramènent pas. Donc c'est pour ça qu'il nous faut ces pistons là. Et j'ai essayé mettre en jeu des pistons collants ici sur le verre et non ça marche pas. Les items rentrent dans le verre, avant de rentrer dans le verre, ils rentrent parce que comme les pistons c'est un bloc transparent aussi. C'est surtout avec les blocs transparents que ça marche l'escalator. C'est quand même assez complexe à expliquer, mais avec les sticky pistons ici, ça bug, ça marche, mais on va avoir beaucoup, beaucoup moins de sens de que ça marche. Comme. Là, imaginez-vous que votre tour, on va la monter ici. On va mettre des pistons, on va mettre des blocs tout autour. Pour que les items sortent par le verre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre ici parce que ici c'est surtout parce que quand on lance des items ici, ça, mais des fois on lance ici. Puis en faisant ça, l'item peut partir quand même des gens avec un certain sens. Mais après, on va dire que ça continue. Ou même pas. On peut mettre suite. Carrément un hooper qui vise mettre ça devant. Hop, il vise ce bloc là. On va mettre un coffre, j'ai oublié des coffres. Désolé, c'était un peu imprévu, comme que vous êtes habitué avec moi. Moi j'aime bien vous montrer tout ça, ellipse, ça. À part c'est vraiment long puis plate. Ou rien se passe d'intéressant là, je vous fais une ellipse. Mais sinon, c'est là que... Voilà, le hopper, il est... tout le système va aller là-dedans. Après, on peut remettre ce fer là. Et on va mettre ça même. Et on va mettre des escaliers. Comme que j'ai pas assez descendu mon coffre. Si je mets un bloc pour empêcher l'eau, descendre. Voilà. Même si c'est pas très très beau. Ouais. Ah, me dérange pas. Pour qu'ils se demandent c'est quoi mon pack, c'est Faithful. Donc voilà. Ça c'est fait. Comme
Tant une fois les pistons vont activer le même de ton attaque, ça va envoyer le système dans les arbres. Ici, mettez, pour précaution, mettre des blocs ici. Faites quand même assez un carré d'à peu près 3 d'auteur, surtout le lancement surtout, qui est important. On va passer au système de redstone. Ici, je sais même pas que je me suis redonné des critères. Ici, c'est important de mettre les pistons comme ça. Pour que ça fasse quand même assez rapide. Puis ça marche pas mettre une redstone comme ça. Ce piston-là, ça il bug un peu. Il bug. Il arrive, il pousse pas. Ou il pousse, mais il reprend pas l'item. Mettez-le ces deux tics. Je sais pas pourquoi j'avais mis ces deux sticks. Ça doit marcher très très bien aussi sur un tick. Parce que moi j'ai plus qu'un deux ticks. On va faire le même système, mais lui, il est moins capricieux. On peut faire ça et ça pour complétiser le tout. On va relier ça même. Comme ça. Et on va dire que le bouton y est. Comme c'est exemple, puis je lance un piston, j'appuie. Ça pousse une fois. Toc, ça pousse ces deux blocs-là, et ça repousse. Et mes blocs sont ici. Et si on... Toc, toc. Lui, comme je vous dis, il avait une probabilité de sens que quand il est là, ça, je peux qu'il revole. Mais si vous mettez des blocs comme ça, ça va pas voler. Mais le problème, c'est que quand vous mettez des un autre bloc devant ici, et que de l'eau qui vient le remarcher. Mais exemple, je mets de la sandstone, de la redstone, ça, toutes les affaires que j'ai pas besoin. C'est-à-dire tout. Inactif. Tous les systèmes vont monter. Tous les systèmes vont passer là. Ils vont tous se faire expirer par le hopper et vont se venir ici. C'est comme ça fonctionne, le système ici. Et après ce système-là, c'est un sensation de torche. Et ici, c'est la boucle. Comme je vous ai tout montré, après, c'est à vous de faire qu'est-ce que vous voulez avec ou plein d'autres choses. Alors moi, je vous dis bye à la prochaine, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous avez des idées pour améliorer mon système ou pour plein d'autres choses. C'est ça. Ciao.